Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Mango Fait du Tarot pour l'analyse de la nouvelle lune. Euh, donc, dans ses énergies, qu'est-ce qu'elle va nous apporter Qu'est-ce qu'elle va nous enseigner Qu'est-ce qu'elle nous invite à quitter C'est ce qu'on va voir. Alors, cette nouvelle lune a eu lieu ce matin, 10h17, heure de Paris. Euh, dans le signe de la Vierge, alors on vous parle euh, d'avoir confiance que tout va bien se passer. Il y a beaucoup de choses, justement. dont j'ai sorti une petite euh, carte astrale, hein, parce qu'au niveau des planètes, ça bouge, et ça bouge très fort. Alors c'est de bazar, il y en a un peu partout. On a surtout dans les grosses planètes, voilà, tout ce qui est euh, grosses planètes et rétrogrades, donc Pluton, Saturne, Neptune, Jupiter et Uranus. Uranus est en carré avec Saturne. Donc forcément, euh, je vous ai remis d'ailleurs dans mon Instagram euh, le lien dans la bio par rapport à la vidéo que j'avais faite, hein, le carré Uranus-Saturne, parce que jusqu'en janvier 2023, on est tiraillé entre l'ancien et le nouveau, on est amené à quitter certaines choses, à innover. À restaurer aussi certaines choses. Deux fois, quand même, le nœud nord dans ce tirage. Donc, il est sorti en énergie principale il est sorti dans la synthèse. Donc, le nœud nord ici est rétrograde dans le signe du taureau, toujours, Jusque, jusque début 2023 aussi. Le nœud sud, à l'opposé, dans le signe du scorpion. Le sud est sorti et c'est justement ce qu'on va délester, euh, ce qu'on doit quitter, parce que sinon, si on ramène ça dans le nouveau cycle, eh bien on peut être dans ce qu'on appelle un schéma répétitif. Donc nouvelle lune dans le signe de la Vierge avec le soleil, on a Vénus en Lion, on a Mercure qui vient d'arriver dans le signe de la Balance et heureusement parce que Mercure va bientôt entamer sa rétrogradation et que dans le signe de la Balance, la communication va être un petit peu plus Diplomatique. On a Mars en Gémeaux, Mars en Gémeaux qui va s'installer pendant sept mois dans le même signe, ça n'arrive pas tout le temps. J'en ai fait une vidéo spéciale d'ailleurs, c'est l'avant-dernière avant, avant celle-ci. Et euh, on va en avoir besoin parce que honnêtement, dans le contexte, on est en train de se libérer de bagages et on a Lilith hein, dans le signe du cancer, donc euh, tout ce qui est euh, les non-dits familiaux, euh, les choses cachées, les choses dont on a peur. Donc là, on est un, dans un grand travail. On a toujours Pluton rétrograde en Capricorne. Donc forcément, ça travaille en profondeur à déstructurer et à restructurer, que Pluton va représenter euh, la mort et la renaissance. C'est la planète du signe des scorpions pour certaines écoles astrologiques. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. On a Chiron et, et euh, Jupiter rétrograde en bélier. Donc on est en train de réviser aussi tout ce qu'on donne, tout ce qu'on initie. Voilà, avec la nouvelle lune en vierge, on se réorganise. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que je me lance à fond Dans quelle direction je suis en train de partir Est-ce que la direction que je prenais était la bonne Voilà ce que, en gros, on a comme menu. Et maintenant, on va aller voir un petit peu les messages. Alors déjà, on a... L'activation du soleil. On parle d'énergie, euh, de réénergisation, justement. On est en train d'activer certaines choses. Et avec la nouvelle lune, c'est le moment où on pose de nouvelles intentions, où on réajuste celles euh, qu'on avait posées au préalable. On doit avoir confiance. Alors, on a la compassion euh, ici, voilà. Ici, avec la nouvelle lune, c'est l'énergie du signe des poissons. Donc, on est en train de restaurer certaines croyances, la foi et surtout la direction qu'on a envie de prendre dans sa vie. Alors le nœud nord, je vais en parler juste après, mais. Avec le nœud nord et la nouvelle étape, hein, ça sent bon le nouveau cycle. Alors, on vous dit, à trop craindre de ne pas suivre la bonne voie, risquez-vous d'entraver votre progrès. Si une prise de décision vous effraie, imaginez qu'à chaque nouvelle décision, vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités. Ce qui ressemblait à une erreur est en fait le terrain fertile où planter la graine du progrès. Vous croiserez toujours de nouvelles occasions d'écouter votre cœur et de vous réaligner. Quelles que soient les étapes que vous suivez, c'est en avançant. Avec conviction que vous démontrerez l'ampleur de votre courage. Et pour l'affirmation, je franchis cette nouvelle étape avec confiance car elle ouvre de nouveaux sentiers qu'il me reste à découvrir. Donc là, c'est carrément la sortie de zone de confort. Donc, une zone de peur, pourquoi pas au début. Néanmoins, on a le verso qui nous apporte la connaissance universelle, hein, c'est-à-dire, voilà, il euh, y a de la fraternité partout, il y a euh, l'amitié, euh, il y a la, la compassion, il y a aussi ce côté, euh, voilà, j'ai un but à suivre et coûte que coûte, voilà, même si je suis dans une zone euh, inconnue, eh bien, j'y vais, tout simplement. Le nœud nord, donc, qui est sorti deux fois, comme je disais, il y a vraiment euh, un test aussi avec Saturne qui est sorti deux fois, ça ne vous a pas échappé, donc Saturne et Saturne rétrograde. Voilà, on se euh, déleste de certains, comment dire, mécanismes, notamment au niveau de la sévérité envers soi-même. On va atteindre son but et on vous parle de détermination et parfois, pour maintenir à chaud sa détermination, il faut aussi Va bah, se reposer, et c'est ce que nous dit la nouvelle lune. Voilà, il y a la récolte, il y a l'avancée, et justement, en ajoutant un peu plus de compassion, en ajoutant un peu plus de. Comment dire d'un esprit enfantin. Voilà, on a l'explorateur, le, le, enfin le, pas l'explorateur, mais on a vraiment l'observateur qui va lui se dire OK, qu'est-ce que je peux glaner encore plus comme connaissance Eh bien là, on avance, là on progresse euh, encore plus que euh, si on essaye euh, de frapper à toutes les portes, si on essaye de euh, voilà de ruer un petit peu dans les brancards. Hein. J'ai l'impression que là, c'est un petit peu OK. Je, je souffle un petit peu. Voilà, on a la porte karmique avec le nœud nord. On vous dit, vous êtes tout à coup là où vous devez être. Il y a des nouvelles opportunités, il y a des ouvertures rapides euh, qui vous, peuvent aussi vous prendre par surprise. Et on vous dit... Il y a des connexions karmiques, des gens qu'on peut rencontrer depuis, enfin euh, qu'on peut rencontrer mais qu'on connaît depuis euh, de nombreuses vies antérieures, donc euh, euh, des liens d'âme, des connexions, euh, voilà, des choses euh, qui sont en train d'affluer. Donc euh, voilà, j'en ai parlé pour les énergies de la semaine qu'on est en train de quitter, où je disais, voilà, il va y avoir des choses... Euh, très rapides qui vont se passer et il va falloir tout de suite se recentrer. J'ai l'impression qu'on part vers la même énergie pour le début du mois de septembre. D'ailleurs, j'ai parlé de la nouvelle étape en disant, euh, voilà, Jupiter va arriver, il est rétrograde et il va se, se placer dans le signe des poissons. Donc, il va amplifier la foi. Là, il est dans le signe du bélier. D'ailleurs, le bélier est dans le contexte. Hein. Euh, je me réalise et je fais preuve d'audace, mais là, on est en train de revoir justement. L'audace dont on a fait preuve, est-ce que ça porte ses fruits Est-ce que c'est utile Est-ce qu'on le garde Justement, parce que on a des mutations là qui sont en train de se préparer, des changements, des, ce qu'on appelle des shifts énergétiques euh, au niveau des énergies solaires, du, du, des énergies terrestres, enfin telluriques, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue et de lourdeur qu'on peut ressentir parce que justement ça brasse. Et on vous dit, quel que soit l'aventure, cultiver la joie, l'optimisme, la créativité. D'ailleurs, j'en ai parlé ce matin. C'était la citation du jour sur Instagram. Si vous l'avez lue, voilà où je disais au pire, on recommence. Voilà, on tente. On est. C'est pas. J'essaye. C'est plutôt euh, je le fais, on verra bien, et au pire, je recommence et je fais d'une nouvelle manière. Mais quoi qu'il en soit, je garde en tête que j'ai envie euh, d'expérimenter, d'explorer, de m'amuser, de recommencer, de me tromper. Ça fait partie des choses de la vie et de l'avancer. Donc, on vous dit qu'il peut y avoir des leçons hein, en cours, euh, des tests. Moi, j'ai l'impression que il euh, y, y a vraiment ce côté, on est testé pour voir si la leçon est apprise, parce que quand Saturne ressort comme ça, avec deux fois le Nord, deux fois Saturne, même si là c'est une Saturne rétrograde, on vous parle de leçon de vie. Est-ce qu'elle est apprise, est-ce qu'elle est comprise, est-ce qu'elle est intégrée, et est-ce que maintenant vous incarnez euh, cette nouvelle personne que vous êtes supposée être, qu'on euh, qu nous pousse à être hein, forcément. Donc euh, là, on va démarrer de nouvelles choses. On vous parle de but de la vie, de consolidation, de lien karmique, de récompense, d'équilibre, de, de récompense karmique. Hein. Donc ça peut être dans un sens comme dans l'autre, positif ou négatif. De dans tous les cas, l'univers va donner des leçons et des récompenses en fonction de, bah, de là où on en est et surtout de ce qu'on cultive. On vous parle d'équilibre intérieur, d'avoir confiance en la destinée de réalisation, de talents méconnus, euh, de travailler avec les autres, de sécurité émotionnelle, de chemin de moindre résistance donc de foi. On vous parle aussi d'un coup de chance, d'optimisme, de générosité, de d'autorité bienveillante, d'expansion de croissance donc c'est tout ce qui correspond aux 10 de coupe. Et on vous parle de karma, de récompense, d'âme qui grandit, d'être au bon endroit au bon moment. Donc voilà le programme de cette nouvelle lune avec le nœud nord, euh, nœud nord dans le signe du taureau, nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Donc tout ça c'est assez euh, Saturne qui régit le signe des Capricornes. Donc c'est très euh, terrestre, j'allais dire terrien, mais c'est plus signe de terre, où on va être factuel, structuré. On parle... Euh, d'énergie fertile de nos besoins avec les signes de terre hein, de nécessité et aussi de résultats concrets voilà qui ne disparaissent pas qui sont euh, à s'amplifier à être fertilisés donc voilà le programme. On a la nature et le signe du verso. Alors là, la nature, c'est ce qu'on vient de travailler, justement, être authentique. Euh, si vous regardez, la dernière pleine lune était dans le signe du verso. Et justement, c'était, voilà, je me permets d'être moi-même, hein, je me permets d'être authentique, d'être réel. Hein, c'était Be Real euh, dans la carte euh, de, la de la pleine lune, pardon. Donc, j'assume mon unicité et j'affirme mes idées. Alors, assu assumer, c'est vraiment euh, voilà qui je suis. D'ailleurs, on a le signe du bélier. Hein, voilà qui je suis. Je me réalise et je fais preuve d'audace. C'est l'identité. Donc, voilà tout ce que j'ai appris. Puisque derrière le bélier, on a quand même la maison 12, la maison euh, du signe des poissons. Je brise le mauvais karma. J'assume, je me réalise. Et je fais preuve d'audace. Donc là, j'affirme mes idées, j'apporte quelque chose de nouveau et aussi quelque chose qui me correspond davantage, qui correspond à ma véritable nature. Alors, ce qui va aider, c'est d'explorer. On a. Euh, ouais, c'est un peu la carte du valet, c'est-à-dire j'ai de nouveaux projets. Euh, je récolte aussi plus de sagesse. Et avec Saturne, voilà la sagesse hein, qui s'exprime. Une leçon de vie frappe à ma porte. J'ai l'innovation. Juste, juste là, je suis dans un esprit novateur, je suis dans un esprit où j'ai envie euh, que ça ait du sens, de la profondeur, que ce qui m'entoure, que ce soit au niveau des projets, au niveau des personnes, au niveau de mes, euh, de mes avancées personnelles, ait du sens et soit porteur. Voilà ce qu'on a avec euh, ces énergies. Ce qui va aider, c'est justement, voilà, qu'est-ce que j'ai pu glaner au cours de ma vie comme savoir, comme sagesse, comme connaissance qui va m'aider justement à passer à cette nouvelle étape, dans cette nouvelle étape avec grâce et, et je dirais la grâce d'un signe. Hein. Mais on a vraiment ce côté, euh, j'ai appris, j'ai compris et je vais me servir de ce qui me... Euh, comment dire, de ce qui me porte comme croyance, parce qu'avec Saturne, on a aussi la sagesse, la leçon, euh, on est moins exigeant, on fait preuve de plus de compassion envers soi-même, envers les autres, euh, on a un relâchement au niveau de la sévérité euh, du côté strict de Saturne, on est vraiment dans ce côté euh, « euh, je relâche un peu l'exigence », sans, sans être dans la, le dilettantisme ou euh, le passéisme ou voilà mais c'est plus euh, voilà je fais je fais preuve de plus de sympathie envers moi-même ça va m'aider à nouer à tisser de nouveaux liens et surtout à récolter quelque chose que je vais pouvoir concrétiser que je vais pouvoir maintenir que je vais pouvoir développer on a Cérès donc Cérès c'est aussi euh, l'exaltation dans le signe de la Vierge il me semble si je ne vous dis pas de bêtises, mais voilà, il y, y a ce côté euh, récolte du travail. On a aussi le côté, euh, avec Cérès, on a euh, le signe des Gémeaux, donc deux signes mutables. Je communique et j'organise. Voilà, c'est vraiment le thème. Euh, là, je, je tisse des liens. J'ai travaillé, je récolte ce que j'ai semé, donc en fonction du travail et de l'investissement que j'ai porté euh, bah, dans les différents domaines de ma vie, et je m'apprête. À justement m'engager sur du long terme. Je m'engage déjà envers moi-même. Hein. Le premier des engagements, c'est envers soi-même. Je m'y tiens. Je tisse ma toile. Je crée quelque chose. La tisserande, hein, c'est l'araignée dans l'animal totem. C'est vraiment la créativité. C'est le travail dans l'ombre aussi c'est vraiment tout ce qu'on a mis en place en shadow work mais aussi euh, voilà toutes les petites euh, les petits détails euh, les, les petits ajustements les changements c'est vraiment un travail de longue haleine euh, moi j'admire l'étoile d'araignée justement pour ça parce que c'est déjà c'est joli c'est très géographique euh, c'est la nature même la beauté de la nature mais c'est aussi la patience euh, c'est la créativité c'est tout ce qu'on on ne récolte pas pour l'instant voilà mais on sait que ça va payer donc c'est euh, tout ce qu'on a euh, brodé tout ce qu'on a tissé tout ce qu'on a créé et justement il est temps de récolter donc ça c'est une très bonne nouvelle on parle de reflet et on a le nœud nord j'avance vers mon projet de vie avec conviction et justement ce projet de vie plus j'ai de la conviction plus c'est convaincant, c'est le reflet interne de, enfin c'est le reflet externe, mon projet de vie et le reflet de moi-même. C'est pour ça que je vous ai parlé d'engagement envers soi. Alors on vous parle d'être authentique, euh, d'oser rêver hein, justement, mais de parler avec authenticité, de dire la vérité. Avec le bélier, on a ce côté euh, euh, nouveau-né, ce côté renaissance, ce côté, voilà, maintenant, j'ai construit mon identité. C'est un peu Maison 12 et le signe du bélier, c'est comme si vous aviez fait le tour de l'horloge, voilà, en glanant, et puis en récoltant la sagesse, et puis maintenant, il est temps d'expérimenter tout ça. On va aller voir ce que nous dit le tarot de Marseille, sans plus attendre. Alors, je vais prendre d'abord celui-ci. Donc, pour les énergies de la nouvelle lune. Oula, ça tombe trop vite, tout de suite alors que je les remette à l'endroit. Ouais, il va y avoir des. Je pense des petites réminiscences aussi euh, de certaines choses juste pour tester. Juste voilà, l'univers qui va dire bon, est-ce que tu as bien appris ta leçon Comment tu réagis maintenant Quelle importance tu donnes à ces choses-là Parce que pour la nouvelle étape, ça va être hyper important. Alors, ah Très joli Le soleil qui tombe tout de suite. Bon, bah, ça va bien se passer. Quoi qu'il arrive, hein il euh, y a une très belle énergie avec le soleil, ce qui va aider s'il vous plaît. Alors, 5 d'épée, oulala, là là. Mmh. 8 de denier. Ouais, apprendre à ne pas réagir tout de suite. 7 de coupe, à long terme s'il vous plaît, à long terme. On a reine de bâton et en synthèse, hop là. Va, euh, reine d'épée. D'accord. Donc deux fois reine. Non, trois reines. Reine de Denis en dos de deck. Très marrant. Alors, bon, ce 5 d'épée, <coughs> honnêtement, il fait. <coughs> il est embêtant. Pourquoi il ressortirait Je vais prendre celui-ci qui m'appelle, hein, qui va nous répondre. Alors, on a le soleil. Le soleil nous parle. Voilà, 4 d'épée, conscience claire, euh, calme. Je vais parler de lucidité avec le 4 d'épée et le soleil. Il y a vraiment ce côté, euh, voilà, j'équilibre, je fais le vide autour de moi. 5 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit Deux choses, 9 de bâton et, ok, valet de denis à l'envers. Alors, il va falloir s'organiser et surtout travailler sur le côté réactionnel, sur le côté, euh, euh, voilà, on m'a dit ça. Est-ce que ça vaut la peine que je réponde ou pas On a l'impératrice en dos de deck. Derrière, on a quoi On a la force. Bon, <laughs> le pape. D'accord. Euh, je continue. Le 7 de coupe. 3 de denier. Ouais, on a affaire à des choses solides. Mais il y a encore une peur de se planter parce que ça enfin, le 5 d'épée n'est pas réglé. On vous demande de travailler encore euh, sur l'aspect euh, identité affirmation de soi. Euh il y, y a la peur de se retrouver seul si on s'affirme trop voilà ce que je ressens euh, si on dit tout de suite ce qu'on pense on a encore la peur que ce soit mal perçu donc on vous demande encore euh, d'établir un plan d'action là-dessus euh, on a le battleur donc il y a bien une nouvelle euh, une nouvelle un nouveau cycle une nouvelle étape Oh, bah, ça tombe direct. Oh, 10 de coupe, jolie, On décide le bonheur. Et reine. Alors, reine de bâton, 10 de coupe. Euh, reine d'épée, pardon. 10 de coupe et reine d'épée. Voilà, la reine de bâton, elle est là. Vous avez la force, vous avez l'énergie. Euh, les reines sont à l'honneur. Dis donc, c'est très royal. On vous parle d'être de... à l'écoute, d'être dans la bienveillance. Avec la reine, on parle aussi de protéger ses énergies. Trois reines, dont deux reines d'énergie yang. Vous avez le courage, vous avez la volonté, euh, vous avez la force, vous avez la débrouillardise. Vous savez protéger vos énergies. Euh, le challenge, ça va être justement ce 5 d'épée. Euh, je m'y attarde parce que, oui, euh, c'est bien, c'est beau, c'est joli, là, ce qui se passe. On a du partenariat de vie, on a du bonheur, on a des... Euh, de bons conseils pour aller vers ce bonheur, justement on décide d'aller vers ce bonheur, on a la force d'aller vers ce nouveau cycle qui va être imprégné de bonheur, mais ça c'est le plus intéressant, ça c'est le plus euh, euh, stimulant, parce que le challenge ça va être de bosser vraiment à établir euh, une forme de, de, de travail concret, Voilà, d'y aller étape par étape, hein. c'est ce qu'on vous dit avec le valet euh, de denier renversé, parce que... Il y a ce côté, euh, j'ai peur, euh, si je m'affirme, voilà, si je décide, reine d'épée deux fois, hein, c'est la décision. D'ailleurs, on a eu la justice un peu pas loin, en dos de deck. Donc, je décide d'être moi-même, je décide de dire les choses. Est-ce qu'il n'y a pas encore une petite peur des réactions des autres, d'être mal perçu, euh, d'être stigmatisé, d'être... Euh, Ouais, catégorisé comme quelqu'un de trop affirmé, genre de vantard, euh, dis donc, t'as vu comment elle se la pète Ça, c'est une peur qui vous entrave. Et on vous dit, c'est un bagage que vous devez dégager, euh, voilà, de, de ne pas euh, vous encombrer. Alors, la carte du Sud, elle nous parle, attention, alors, entre guillemets, hein, c'est vraiment. Euh, euh, j'ai peur que ça se déroule mal, j'ai peur, euh, en fait le sud, c'est l'arrière, hein, c'est la queue du dragon, c'est le nœud sud, et c'est ce qu'on nous fait travailler enfin tout le temps, d'ailleurs, les bagages karmiques, et on vous dit, euh, peut-être que vous avez peur de prendre ce risque, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore fait. C'est-à-dire de, de, de ne pas vous soucier des réactions des autres. Et que justement, avec ce neuf de bâton, c'est encore un petit peu de travail, peut-être encore un petit peu de méfiance, de réattirer aussi des personnes euh, qui vont vous. Euh, pas, je vais pas dire jusqu'à l'humiliation, mais qui ne vont pas respecter vos valeurs. Bon, ça fait partie de la blessure d'humiliation, hein, blessure d'âme. Euh, moi, ce que je ressens, c'est vraiment ce côté, en, en termes de conseil des cartes avec le valet de denier renversé, c'est. Justement, prenez le temps euh, de, de mesurer l'importance que ça a, parce que c'est quand même du concret avec le valet de denier. Est-ce que ça a de l'importance pour vous Est-ce que ça mérite que vous vous attardiez sur ce qu'on vous a dit ou ce qu'on penserait de vous Est-ce que ces personnes ont de la valeur déjà est-ce que euh, elles vont venir euh, payer votre enterrement Moi, c'est toujours ce que je me dis pour euh, relativiser. Est-ce que cette personne ne va ne serait-ce que payer le bouquet euh, de ma couronne euh, florale, euh, voilà, euh, <laughs> le jour de la fin Et du coup, euh, non. Donc non. Donc finalement, non. Voilà. Je décide de ne pas donner de crédit. C'est aussi des décisions avec ces deux reines Yang. Là, on a une reine, euh, une reine très euh, euh, tourner vers les bienfaits, la santé, prendre soin de soi, reine de denier, taureau, vierge, capricorne, il euh, y a une déstructuration et on vous dit je pense que vous vous méfiez encore des promesses non tenues ou euh, de ne pas aller jusqu'au bout, de ne pas avoir la force, donc on vous dit, bah, regalvanisez-vous, il hein. n'y a que vous qui puissiez y arriver et si vous êtes votre meilleur pote dans cette situation, là, vous allez pouvoir euh, aller jusqu'au bout. Peut-être que vous avez peur de vous investir dans, dans un projet que vous enfin vous hésitez parce que voilà vous, vous méfiez <coughs> par rapport à une expérience du passé quand le chakra euh, ventoline se bloque comme ça c'est qu'il y a quelque chose euh, on vous dit aussi d'avoir une vision plus sur le long terme euh, de ne pas vous attardez, parce que c'est quand même très positif. Je veux dire, on a le soleil, là on parle d'ajustement mineur, hein, c'est pas une grosse étape. Le gros, la grosse... Là, il y a quand même le soleil, le 10 de coupe, euh, le battler, c'est bien engagé. Mais justement, est-ce que l'engagement sur le long terme. Euh, Est-ce que vous arrivez à vous projeter justement Est-ce que la vision n'est pas. Moi, avec le valet de denier, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vision à long terme justement. Et c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui euh, d'instaurer comme plan d'action. Voilà, j'ai un objectif, voilà, c'est 10 de coupe, ok C'est de décider en conscience avec la reine d'épée, hein, c'est vraiment je décide en conscience, j'accueille. Mais je décide, je tranche. Voilà, donc je peux laisser venir les choses à moi et je peux aussi décider si ça ne me convient pas d'arrêter. Voilà, c'est aussi ça qui peut permettre le bonheur. Le bonheur, euh, d'ailleurs, j'ai entendu une phrase très intéressante euh, de Guillaume euh, Mouton, qui s'appelle Guillaume, enfin Moutz dans nu et culotté, qui disait le bonheur, c'est pas d'être happy tout le temps, euh, d'être heureux, d'avoir le, le smile en permanence. Euh, le bonheur, c'est aussi d'être tranquille en disant tiens, bah, je suis triste aujourd'hui. Enfin voilà, aujourd'hui, euh, je suis tranquille avec ma tristesse. Ça aussi, c'est une forme de bonheur. Donc je décide en conscience, j'accueille, c'est ce que nous fait, euh, c'est ce que montre la reine d'épée. Voilà, avec sa main gauche, elle va accueillir et avec sa main droite, elle peut euh, très bien décider que non, ça ne convient pas. Donc, de quoi on s'entoure, euh, de qui on est entouré, je pense qu'il y a la peur de se planter au niveau euh, partenaire. Alors, ça peut être partenaire de vie, ça peut être partenaire financier, partenaire. Euh, Professionnels, hein, les collègues, l'entourage. Euh, on a besoin de transformer les choses en quelque chose de concret, de viable et surtout de durable, quel que soit le domaine. Il hein, n'y a pas de, euh, de domaine de prédilection dans ce tirage plus qu'un autre. C'est l'épanouissement total avec le 10 de coupe. Alors, je vais prendre. Alors, j'ai pas coupé les notifications de mes emails, je suis désolée. Voilà, si vous entendez des petits bruits en arrière-plan, c'est les notifs que je reçois, les messages que je reçois. Alors, hop, je remercie la personne qui m'a offert la nouvelle version, parce que la mienne était fatiguée. Voilà, euh, mais en tout cas, je la remercie, elle se reconnaîtra. Donc, merci à toi pour cette nouvelle version et surtout des cartes beaucoup plus euh, rafraîchies. Alors, traumatisme d'adulte, c'est quelque chose de récent qu est en train, euh, fin, que la lune va mettre en lumière, la nouvelle lune, dont on doit se débarrasser. Comment ça se, Comment ça se montre tout ça Sentiment de rejet, peur d'être rejeté, ou un vieux sentiment de rejet qui traîne. Allez, celle-là, j'avais envie de la prendre. Rupture amoureuse, ok, une rupture récente où on est, on conf on est confronté à un rejet. Ah, mais on rejette aussi le bonheur. Regardez, auto sabotage. Ok, très intéressant. Notre aptitude à accueillir le bonheur, euh, elle vient du fait que euh, ça peut être tout nouveau. Et du coup, on peut être tenté de rejeter. On peut être tenté de, de dire ouais, mais il va forcément se passer un truc derrière. Donc auto sabotage. Non droit au bonheur. Oui, on va provoquer. On va même, euh, comment dire? C'est comme si, avant même la rencontre, la rupture était programmée parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été travaillées, notamment le rejet, euh, notamment l'accueil du bonheur. C'est-à-dire, je me laisse l'abandon, la foi totale. Voilà, on verra bien où ça me mène. C'est un peu l'as de coupe. Hein, C'est-à-dire, voilà, je, euh, je m'abandonne, je me laisse porter par les choses et on verra bien. Et ça, comme c'est tout nouveau il euh, y a encore une peur intrinsèque de se faire avoir, de se faire berner, de se faire... Euh, voilà, vous, vous, bon, vous utilisez l'expression que vous voulez. Euh, mais du coup, il y a ça qui ressort. Alors, comment on soigne ça Augmentation du taux vibratoire. On vient prendre soin de soi. Euh, on vient se libérer aussi. Voilà des mécanismes. L'auto-sabotage, c'est un mécanisme. Hein. C'est vraiment euh, le drawing dead, c'est-à-dire euh, euh, bon bah, j'arrête de lutter parce que je suis en train de me noyer au lieu de se dire bah comment je peux faire pour euh, m'accrocher, euh, pour euh, euh, travailler encore plus. Moi, je vois beaucoup en ce moment euh, dans les guidances privées de encore, il faut encore travailler. En fait, le travail, c'est il y a un premier travail, c'est le shadow work, c'est ce que j'explique. Ah bah d'ailleurs, j'ai pas dit, mais je fais un atelier justement là-dessus sur les étapes du travail de développement personnel, comment utiliser son cerveau à bon escient, comment supprimer l'autosabotage comment instaurer des mécanismes positifs. Voilà, donc si ça vous intéresse, l'inscription, c'est euh, sur mon site web dans la section boutique, je vous mets le lien bien sûr, et donc c'est sur deux samedis d'affilée, le 3 septembre et le 10 septembre, parce que tout un week-end, c'était euh, laborieux pour euh, la plupart d'entre nous. Voilà, je m'inclus aussi. Donc voilà, deux samedis d'affilée. La prochaine fois, ce sera deux dimanches d'affilée. Voilà, je fais des votes sur Instagram pour voir un petit peu vos disponibilités. Je m'adapte à vous. Donc première journée, le samedi 3 septembre. Deuxième journée, le samedi 10 septembre. Et comment augmenter son taux vibratoire, euh, l'auto-sabotage, euh, les révisions, c'est-à-dire je revois, je refais le film euh, de ma dernière rupture amoureuse parce que je veux en apprendre des, des principes. Voilà. Donc, je vous laisse regarder si cet atelier vous intéresse. Voilà, c'est. Euh... Un atelier que j'ai voulu aussi abordable sur deux jours. Euh, voilà, le prix reste abordable. C'est moins cher qu'une guidance privée d'ailleurs. Et surtout moins cher que ce que vous pouvez trouver sur Internet. Donc voilà. Alors, traumatisme d'adulte, une rupture récente. On conscientise qu'on a rejeté le bonheur. Par mécanisme d'auto-sabotage. Donc, il faut remonter dans les mémoires, un hein. travail de libération émotionnelle. Moi, je vous conseille Isabelle Rabi. J'ai fait moult soins avec elle. J'ai vraiment décidé de consacrer le temps qu'il fallait pour tout nettoyer. Et maintenant, mon travail étant euh, terminé, ce travail de grosse œuvres euh, mon seul boulot aujourd'hui maintenant, euh, comme la plupart d'entre vous hein, qui avez entamé aussi ce, ce travail sur soi, c'est de maintenir avec des mécanismes positifs. Mais il y a encore des croyances limitantes, il y a encore euh, des choses qui ont besoin d'être conscientisés. Le soleil va nous y aider, hein, la carte du soleil. Euh, en tout cas, pour augmenter son taux vibratoire, on regarde son environnement, qu'est-ce qu'on peut couper, qu'est-ce qu'on peut faire. On décide de se lever, d'aller marcher en forêt, euh, de faire le ménage, de nettoyer certaines choses. Donc voilà, ça, c'est des choses que vous allez pouvoir faire. Pour le reste, je le garde en guidance privée. Euh, parce que là, c'est une guidance générale, hein, donc je ne vais pas aborder euh, tous les sujets. Ça sera en fonction de ce que je peux lire dans vos énergies. D'ailleurs, petit disclaimer je fais des tirages psychiques. Voilà, je ne fais pas de voyance prédictive parce que pour moi, c'est trop clivant. Voilà, j'ai eu des, des, des situations où j'ai dû expliquer à des personnes. Euh, encore, bah, alors que c'est marqué sur mon site web que pour moi, la voyance prédictive vous emmène dans une seule possibilité, alors que l'univers est multiple et que euh, ça, peut, euh, ça peut tourner euh, vraiment euh, de manière euh, considérablement euh, bien heureuse euh, parce que justement on ne vous fait pas de prédiction, qu'on vous donne des clés dans votre passé des choses qui étaient bloquées, donc, voilà moi, je fais que de la lecture psychique. je lis votre passé, tout ce qui est karmique, tout ce qui est vie antérieure, tout ce qui est la petite enfance, euh, pour vous reconstituer le puzzle. et ensuite, voilà, vous allez dans la direction que vous vous souhaitez. alors, petit, euh, on va faire maintenant la partie euh, plus sentimentale alors je reste euh, général. on va voir aussi euh, le mois de septembre je vais l'articuler euh, désormais pour les tirages de signes euh, différemment voilà je me suis dit euh, cet été je vais faire différent euh, j'ai envie d'innover aussi alors l'énergie de la nouvelle lune sur le plan sentimental qu'est ce qu'on a alors on a beaucoup trop de cartes voilà je les remets là tant pis si elles sont à l'envers alors l'énergie au niveau sentimental, qu'est-ce que la nouvelle lune nous apprend, nous fait travailler, nous fait comprendre Allez, vite fait, s'il vous plaît. La lignée, alors justement, lignée familiale. Ici, ce qu'on a envie de faire perdurer, et derrière, en dos de deck, l'amour. Alors, on est dans le thème, très bien. Je vais prendre... Euh, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas prise. Enfin, ça fait longtemps. Un petit moment. Alors, toi... Hop, tu retournes au panier. Alors, au niveau de, des énergies de la nouvelle lune, s'il vous plaît, dans le signe de la Vierge, qui a lieu donc le 27 août 2022, qu'est-ce qu'on a comme message Hop là, alors attendez. La naissance, nouveau cycle, très bien. La vision à 360 degrés. L'initiation. Oui, on est euh, initié à quelque chose de nouveau. Les études, un nouveau savoir aussi, c'est ce qui me vient. L'adversaire a voulu sortir. Ah, bah, il est sorti. Je croyais qu'il s'est remis dans le. Ouais, là, on est confronté aussi à des. Comment dire Une épreuve, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce que j'ai compris? Parce que là, je suis dans le nouveau cycle. Alors, c'est pas plus mal qu'il tombe dans cette position-là, parce que c'est juste la synthèse. On renaît après une période éprouvante. On a été confronté à des choses euh, laborieuses, à des choses limitantes, euh, à des, des, des blessures. Euh, pour certains d'entre vous, je le sais parce que je vous ai eu aussi en, en message. Euh, ça a été une période pff, très très forte, hein, vraiment très forte. Alors, que peut nous dire? l'adversaire, vers quelle, quelle voie on s'engage là au niveau euh, des énergies sentimentales, euh, qu'est-ce que la lune va nous montrer comme passage avec le soleil, hein elle nous montre un passage, le merveilleux univers, jouir de la beauté, voilà, on vous parle de commencer maintenant, donc pareil, on reste dans le thème, hein c'est vraiment faites le premier pas, c'est-à-dire engagez-vous. Euh, il y a de belles possibilités, j'en parlais justement avant, toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à nous. Alors jouir de la beauté c'est voir la beauté en toute chose, euh, de pratiquer la gratitude, c'est aussi le moyen de voir tout ce que met en place l'univers pour nous même dans l'invisible. il euh, y a une, une foi incommensurable. Alors le merveilleux univers c'est aussi se créer, ça me vient comme ça, se créer un univers. Voilà, se créer une nouvelle manière d'être parce qu'on a la naissance, on a l'initiation, la science. Voilà ce qu'on a appris de, ce, de cet ancien cycle euh, et ce qu'on va emporter aussi du nouveau. J'aime beaucoup hein, ce tirage, j'aime bien, c'est joli. Euh, voilà, il y, y a aussi son propre adversaire, défier son propre adversaire, voir la beauté en soi, parce que l'univers, c'est aussi soi-même, hein, c'est son univers, son identité. Quand on dit, elle s'est créée son propre univers, ben voilà, c'est ça que vous êtes en train de, de forger, de, de développer, de magnifier. C'est beau, j'aime bien. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici wow, Le soleil, encore une fois. Voilà, succès de la pensée, bonne renommée. Il euh, y a une distinction. Alors, on vous parle de protection derrière, protection d'un grand-parent. Ça revient euh, en ce moment. Hein. Je pense que là-haut ça, ça mouline. Hein. Les guides de lumière, euh, les, les, les guides, euh, les alliés, les, voilà, les alliés spirituels sont derrière pour nous encourager, nous soutenir. Euh, je trouve ça vraiment chouette. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour le sentimental? D'abord. Ouais, on va ranger tout ça. Alors, l'épreuve est terminée. On affronte. Euh, des dernières croyances, hein, je pense que là c'est vraiment ressorti. Enfin, euh, ouais, ça ressort. Alors, je vais prendre celui-ci. Hop, et une carte qui est tombée. Ok. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit Alors déjà, il y a vous qui ressortez. Euh Ok, c'est centré sur vous quand même. Hein. Il y a vraiment ce côté euh, rapport à soi avant d'aller euh, euh, explorer tout ça. Hop là, sagesse. J'ai un petit peu plié la carte. Ah, l'engagement. Très bien. Alors, ici... Voilà, celles qui n'ont pas regardé la vidéo, elles vont pas savoir. Mais voilà, il y a vraiment euh, l'intention derrière de s'engager, quelque chose d'envoûtant, de passionnant. Euh, oui, mais on sort de... Il ouais, y a peut-être une hésitation entre deux personnes ou entre deux situations. Est-ce que ça vaut la peine de m'engager Visiblement oui, hein, parce qu'on vous parle de succès, de tous les espoirs sont permis. Mais je pense qu'il va falloir aussi affronter des peurs. Euh, notamment la peur d'être trompé la peur. Il peur... y a ça qui ressort. Hein. Alors, justement, la femme, c'est très bien que ça sorte comme ça. Alors, sur la sagesse, qu'est-ce qu'on vous dit On a la maison. Il ouais, y a vraiment l'entourage, attention, parce qu'il y a du vol énergétique. On vous demande de nettoyer votre environnement voilà avant de pouvoir. Euh... Euh, vous en... en fait, c'est le premier des engagements, c'est-à-dire est-ce que mon environnement est favorable Derrière, pas trop, hein, quand même. Donc là, on vous demande d'étudier de, de, tout ça. Il y a la peur de, de s'engager. Alors, ouais, il y a l'amour, mais il y a peut-être aussi la peur de tomber en décrépitude, de se laisser aller. ou Ça peut être l'autre personne. Hein. Ça peut être en lecture miroir, parce que derrière, on avait quand même l'homme, hein, derrière l'engagement, le, l'union, euh, quelque chose encore passion. De passionnant, voilà, euh... sur les espoirs, qu'est-ce qu'on a, on a le départ, oui, ça va, voilà, la joie, ça va, ça va démarrer, mais regardez, il y a encore, ouais, ok, il y a les démons euh, de l'autre, de enfin, les démons, euh, je ne devrais pas dire ça, mais c'est plutôt l'autre personne qui affronte ses propres démons, la peur de l'engagement, c'était peut-être une personne qui n'était pas euh, libre, ou disposée à s'engager, d'accord, euh, qui était encore entre deux euh, situations, c'est-à-dire, ouais, mais moi, je suis bien dans mon célibat, mais en même temps, cette personne, voilà, euh, vous suscitez visiblement des doutes, euh, c'est-à-dire des réflexions, la personne doit se libérer d'une image d'elle-même, justement, on va aller voir en face ce que vous suscitez, enfin, ce que vous générez comme énergie en face, elle est nostalgique alors, nostalgique, mais elle se camoufle encore un petit peu, hein, elle s'illusionne se... ouais, un peu, hein, elle se cache derrière un masque. Alors, il y a de l'espoir, parce que justement, c'est là où votre foi est testée. Est-ce que ça en vaut la peine ou pas J'en ai fait une vidéo. Hein, donc, euh, est-ce que ça... Comment j'avais appelé ça Bon, je vous la remets dans le lien. Voilà, je vous la remets en bas de la vidéo. Euh, C'était euh, Faut-il s'accrocher, il me semble. Alors je traverse une mauvaise passe, voilà. Elle sait très bien que il euh, y, a, y a quelque chose de très profond, mais elle est dans la fuite, elle est, elle est dans, le, dans le déni, voilà. C'est pas de belles énergies pour elle. Hein. On est bien d'accord que là, elle est en train d'affronter. Euh, je pense que de part et d'autre, il y a l'affrontement de certaines croyances, de certaines peurs, euh, peur de la triangulaire encore hein, qui ressort. Voilà, c'est peut-être une personne. Euh, qui ne veut pas s'engager pour l'instant, voilà. Donc, est-ce que vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça Est-ce que vous êtes tranquille Est-ce que vous avez la foi Est-ce que vous êtes prêt et prête à faire le, comment dire, le grand saut C'est-à-dire, bon bah, écoute, je sais que c'est elle, je sais que c'est elle, voilà. Ça, c'est à vous de voir. Ce sera en guidance privée aussi que j'étudie tout ça avec vous, euh, qu'on en discute, hein, parce que des fois, on se rend compte qu'on veut quelque chose, mais c'est peut-être pas bon pour nous. Ou c'est peut-être un schéma répétitif. Alors, comment ça tourne cette histoire entre euh, les, les personnes qui ont quelqu'un en tête, qui sont avec quelqu'un ou pas forcément avec hein. On a pour l'instant le flirt, énergie de légèreté, rapidité. Attention à, que ce, à ce que ce ne soit pas trop euh, rapide aussi. Dans... Voilà, il faut aussi savoir se faire euh, désirer. Alors, on a Friend Zone et Partage. Ouais, j'ai pas l'impression que pour l'instant, ce soit vraiment encore euh, l'engagement euh, plutôt sur l'hiver. On vous dit de garder confiance, mais pour l'instant, c'est un petit peu euh, comme si la personne gelait les énergies. Elle sait très bien qui vous êtes, que, ce que vous représentez pour elle, mais j'ai pas l'impression qu'elle ait envie de s'engager pour le moment. Alors, ça peut paraître gelé, mais on vous demande d'avoir confiance, hein, parce que vous avez le soleil, vous avez la protection. Euh, une dernière carte en synthèse. Alors, il y en a deux. Bonheur, voyez, et changement. Donc là, voilà, vous brisez aussi quelque chose où vous étiez en mode bah, j'ai jamais de chance, j'ai attiré quelqu'un qui ne veut pas de moi, etc. Là, c'est plutôt ok, ça en vaut la peine. Euh, moi, je fais ce que j'ai à faire, je retrouve déjà ma propre joie interne et ensuite les choses iront. Comme elles iront, que vous dites Joe On va terminer avec euh, des petits messages. Alors, le mois prochain, tu y verras plus clair. Là, pour l'instant, c'est pas encore assez solide pour moi. Mais on vous demande d'avoir confiance. Euh, Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau euh, des conseils Hop. Alors, il y a quand même... Quelque chose qui va se délester, qui va se dégager. Mais d'abord, c'était quand même bien axé sur vous, hein, le tirage. Empathie, sensible. Tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Alors peut-être que la personne n'a pas le même rythme émotionnel que vous. Et euh, la, la qualité que vous pouvez utiliser, là, c'est l'empathie. C'est-à-dire, OK, je comprends. Euh, J'adhère pas non plus à ce qu'elle fasse n'importe quoi avec moi. Euh, par contre, euh, voilà, je sais que ça en vaut la peine. Alors, ouais, il y a vraiment le côté euh, je suis pas prêt, je suis dans l'ego, je culpabilise, pardonne-moi. Il y a comme une, euh, d'ailleurs un, comment dire, une suite logique. Elle est pas prête parce qu'elle est dans l'ego, elle culpabilise et elle demande pardon. Bon, on va continuer comme ça. Ça ressemblait au, au tirage précédent hein, dans ses énergies à elle. Alors, surtout, bah, l'énergie du collectif qui est reçue, voilà, et la peur de perdre, tu me manques, en dos de deck, donc je pense que cette situation nécessite beaucoup de lâcher prise, de détachement, euh, de bienveillance, voilà, euh, elle conscientise hein, la valeur que vous avez, l'importance, la valeur et l'importance, et pour l'instant, elle a des choses à régler, voilà, parce que, euh, elle a. Euh, oui, il y a le rejet, il y a la récente rupture. Si vous venez de rompre, si vous avez rompu il n'y a pas longtemps, elle ressent ça aussi. Donc, elle culpabilise de ne pas être prête aussi. Elle demande pardon d'être dans l'ego, mais il y a du. Voilà, j'avance vers toi petit à petit. Euh, je me sens impuissant à changer la situation. Accorde-moi un peu de temps. Elle est un peu dépassée. Voilà, elle ne sait pas trop quoi faire. Euh, maintenant. Ne scriptez pas en commentaire euh, euh, des choses négatives parce que c'est des choses aussi que vous attirez à vous. D'accord Donc là, pour aider la situation, euh, soyez aussi dans la. Euh, dans la compréhension, voilà, ce sont les messages des cartes, hein, c'est pas moi, ce messages des cartes. Euh, voilà, pour le tirage de la nouvelle lune, on va se retrouver de toute façon très vite pour le tirage euh, signe par signe, voilà, avec une nouvelle formule. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Euh, Rendez-vous aussi sur Instagram pour les tirages lunaires, les tirages de chaque semaine. Voilà, sur Facebook pour des petits articles, des petits partages. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao